Frères, chers soeurs, bonjour. Je suis heureux d'être là et de vous apporter la parole ce matin. On va demander que le Seigneur nous, nous aide à la comprendre et en, en, en retirer quelque chose. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment autour de ta parole. Et nous voulons te remercier ce matin parce que ta parole est la vérité. Nous voulons te remercier parce que tu nous as laissé ta parole et sans elle, je ne sais pas comment nous, nous pourrions nous tenir sur quelque chose de solide. Je ne sais pas comment notre foi pourrait être, Seigneur, ancrée s'il n'y avait pas cette parole. Et nous voulons te bénir ce matin, qu'elle puisse faire son, son travail dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, Père, par ton Saint-Esprit. Amen. 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 J'aimerais me baser sur deux, deux versets qui, qui m'ont interpellé, qu'on trouve tous les deux dans la première épître de Paul aux Éphésiens. Premier chapitre, verset 7, et deuxième chapitre, verset 7. C'est facile à retenir. Donc, Éphésiens 1, 7, Éphésiens 2, 7. Deux versets qui utilisent plus ou moins les mêmes termes. En Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. On peut traduire l'abondance de sa grâce. Et dans 2, 7, plus ou moins la même chose, mais encore plus fort peut-être. Dieu, donc il a fait, on parle de Dieu, a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse. Donc Paul rajoute le mot infini ici, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et vous l'avez vu, le thème que j'aimerais développer pendant plusieurs prédications, c'est ce thème de la grâce. Ici, Paul, Paul nous parle de l'abondance de la grâce. Il parle même de l'infinie abondance, infinie richesse de sa grâce. Et je me demande si nous connaissons vraiment cette infinie richesse de la grâce du Père. Est-ce que tu la connais, est-ce que tu l'expérimentes au quotidien Est-ce que tu es encore en train, aujourd'hui, après peut-être 10 ans même de conversion, 20 ans, est-ce que tu es encore en train de découvrir cette grâce de Dieu j'ai bien peur que pour beaucoup d'entre nous, c'est une notion que nous avons, dont nous avons entendu parler au début de notre conversion, qui nous a réjouis un moment, mais qu'ensuite, quelque part, nous avons comme classé dans un, une étagère, un rayon, ah ça va, je connais la grâce de Dieu, alors qu'elle est infiniment abondante et que je pense que nous n'aurons jamais fini de découvrir la grandeur, la puissance, la richesse de la grâce de Dieu. Et donc cette prédication, c'est une première d'une série que j'aimerais développer sur cette infinie richesse de la grâce. C'est un peu comme une introduction. Je pense qu'elle vous laissera sur votre faim parce que je ne veux absolument pas justement brader et, et tout faire en une prédication. Et donc peut-être que tout à l'heure, vous serez sur votre faim ou sur votre soif, mais justement, j'espère que ça va susciter chez vous quelque chose. Un psychologue athée, et je, je précise sur le fait qu'il est athée, un psychologue athée a fait une étude sur le christianisme et il a fait cette étude après avoir rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens, mais toutes sortes de chrétiens, orthodoxes, catholiques, évangéliques. Euh, je, je mettrai chrétien entre guillemets, mais après avoir fait des temps de, 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 de relations d'aide avec. C'est chrétien, entre guillemets. Il est arrivé à de drôles de conclusions, ce psychologue athée. Et il a écrit un article, c'est en anglais, c'est un article qui s'appelle Christianisme et santé mentale. Donc le titre déjà est assez accrocheur. Christianisme et santé mentale. Et dans cet article, il arrive à la conclusion que le christianisme détruit la santé mentale de la société et de ses individus. C'est assez... Euh Voici quelques extraits de ce qu'il écrit. Et je vous invite à bien écouter parce qu'il n'y a pas que des mensonges, il y a aussi des vérités ou des demi-vérités dans ce qu'il écrit. Voici ce qu'on peut trouver dans son article. Je veux que vous arriviez à la conclusion que la doctrine chrétienne, sucette existentielle par excellence, est incompatible avec les principes d'une santé mentale et contribue plus à la genèse de la souffrance humaine qu'à son soulagement. Ça, c'est la conclusion de son article. Ensuite, il va étayer son, ses affirmations par différentes petites choses. Bon, je n'ai pas tout pris, mais j'ai relevé juste certaines choses. Il dit par exemple, les chrétiens apprennent que seul Dieu peut donner une valeur aux individus en les sauvant de leurs péchés. En se flagellant émotionnellement et en proclamant leur inutilité et leur vide intrinsèque, les chrétiens essayent de manipuler Dieu pour qu'ils se sentent désolés pour eux et les sauvent. Euh... Ouais. Mais c'est sa conclusion. Et sa conclusion, comprenez bien qu'il l'attire d'avoir écouté des chrétiens, d'avoir observé les chrétiens dans son cabinet, et c'est en les ayant écoutés qu'il arrive à ces conclusions-là. C'est un peu alarmant, justement. Il dit, par exemple, leur prière démontre comment le christianisme a tendance à réduire ses adhérents à un état d'enfant gémissant pour le beau temps, le soulagement d'un bobo ou le bien-être de l'âme d'un être cher disparu. Il dit encore On s'attend à ce qu'un vrai chrétien, imprégné de la doctrine du péché originel et du sacrifice du Christ sur la croix, gagne la faveur de Dieu par toutes sortes de mea culpa, culpa verbaux, de reproches à soi-même et de confessions de péché. Un vrai chrétien doit toujours être dans un état de tourment, car il ou elle ne peut jamais vraiment être certain que Dieu lui a pardonné des sentiments négatifs profondément ressentis malgré le confessionnel catholique, confessionnal catholique, ou la ruse, il appelle ça, la ruse fondamentaliste connue sous le nom de nouvelle naissance. Là, il s'en prend aux évangéliques. Alors, ça fait un peu bizarre de lire des choses comme ça, mais en même temps, la conclusion qu'on... On peut tirer de la lecture de cette analyse de ce psychologue c'est quel genre de chrétiens ce psychologue a-t-il rencontré? Quel message les chrétiens que ce psychologue a-t-il a rencontré? Quel message ont-ils fait passer? Qu'avaient-ils compris ces chrétiens? Je ne sais pas si vous avez tous la capacité de déceler dans ces affirmations où se trouve le mensonge de la vérité. C'est pas évident. Il faudrait peut-être les relire, etc. Mais c'est ce qui se passe en fait. Dans ce qui est décrit là, on retrouve des éléments de la foi chrétienne, mais en même temps, des éléments qui sont importés et qui sont des éléments d'une foi chrétienne non vécue ou non comprise. Et finalement, je ne jette pas la pierre à ce psychologue. La pierre n'est pas à jeter au psychologue. Et je ne vais même pas jeter la pierre aux chrétiens non plus. Mais je pense que cela nous montre qu'on a encore beaucoup de chrétiens dans nos églises ou dans d'autres qui n'ont pas encore tout compris nécessairement de ce qu'est la grâce infinie de Dieu. L'auteur de cet article ne décrit pas ce que devrait être la vie chrétienne, mais plutôt comment beaucoup de chrétiens expérimentent la vie chrétienne. Et c'est là qu'est le problème. N'est-il pas vrai que pour beaucoup de chrétiens, l'amour de Dieu doit se mériter Certains me diront non, mais quand on analyse notre vie, nos comportements, Parfois, nous démontrons par nos comportements que nous essayons de mériter l'amour de Dieu, par différentes choses. N'est-il pas vrai que beaucoup de chrétiens vivent encore dans la culpabilité et les remords en permanence, que certains viennent au culte dimanche après dimanche, abattus, pleins de remords La protestation de ce psychologue n'est pas construite contre le vrai christianisme, mais contre celui mal compris, déformé, que vivent encore beaucoup de chrétiens. Il semble que ce soit cela que le psychologue a rencontré en consultation, ne doit-on pas confesser qu'il nous arrive aussi de tomber dans ces fausses conceptions du christianisme, et après je prendrai des exemples, qu'il nous arrive nous aussi de combattre avec une vision de Dieu et de son œuvre pour nous qui me, prend, qui me rend prisonnier au lieu de me rendre libre. Et même si ce pseudo-christianisme décrit par ce psychologue n'est pas biblique, c'est encore l'expérience de beaucoup de chrétiens sincères. Quel est le problème Où est le problème Je pense que le problème, la différence entre le christianisme décrit par ce psychologue et le christianisme biblique, je pense que la différence se situe au niveau de la grâce, au niveau de sa compréhension, au niveau de la présence de cette grâce dans nos vies, de sa puissance dans la vie du chrétien ou pas. Une mauvaise compréhension de la grâce où son absence dans la vie du chrétien affecte en profondeur et chaque jour sa relation avec Dieu. Ce que la Bible dit de la grâce va répondre à deux questions que l'on so, que se pose souvent sans avoir toujours de réponse. La première question, c'est qu'est-ce que Dieu veut de moi Et la deuxième, c'est qu'est-ce que Dieu ressent envers moi Chaque dimanche, dans les églises, on peut rencontrer des chrétiens qui souffrent parce qu'ils ont besoin d'une meilleure compréhension de la grâce de Dieu, de cette infinie richesse de la grâce. Certains viennent au culte sur deux mêmes pleins d'excitation. Certains de recevoir la bénédiction ce matin parce qu'ils ont eu une bonne semaine. Ils se sentent éligibles à la bénédiction. Ils sont certainement le genre de personnes que Dieu veut bénir et aime bénir parce qu'ils ont eu une bonne semaine. Ils ont lu leur Bible, ils ont même prié un peu plus que la semaine d'avant. Ils ont assuré cette semaine. Et donc, Dieu est juste, Dieu va les récompenser. C'est comme ça qu'ils pensent. Hein ils arrivent avec une vraie joie ce matin et même ils sont excités de pouvoir partager autour d'eux leur expérience de la semaine. Mais dans la même église, le même dimanche, il y aura aussi le lot de ceux qui ne se sentent pas éligibles du tout à la bénédiction. Ces chrétiens vivent peut-être même le christianisme décrit par ce psychologue athée. Ils feront de leur mieux pour paraître joyeux comme les autres, mais quand la louange va débuter, ou le temps de prière, ce sentiment de non-éligibilité à la bénédiction sera difficile à vaincre. Je prends une illustration pour peut-être vous visualiser encore un peu mieux. Par exemple, il y a cette maman, seule, qui doit élever deux enfants, deux petits-enfants, et elle galère. C'est vraiment difficile. Son mari l'a abandonnée, elle est seule avec ses deux enfants. Elle aime Dieu et elle vient dimanche après dimanche à l'église, mais la semaine qu'elle galère pour s'occuper de ses deux petits, toute seule, en plus de son travail. Elle salue chacun avec le sourire évangélique de circonstance en arrivant à l'église. Mais en réalité, nombreux sont ces dimanches gâchés par la croyance que Dieu n'est pas très satisfait d'elle, parce que encore une fois cette semaine, elle s'est emportée à plusieurs reprises envers ses deux enfants, qui était difficile, ou parce que cette semaine débordée par la somme du travail et des activités, elle n'a pas pris ou ne trouvait le temps de lire sa Bible, de prendre un moment avec Dieu. Peut-être qu'elle culpabilise parce qu'une fois les enfants couchés, elle a préféré regarder une série plutôt que de prendre un temps avec Dieu. Ce manque de self-contrôle, la culpabilité qui l'accompagne, sont certainement la preuve que Dieu n'a pas de bénédiction à lui accorder ce dimanche-là. C'est un dimanche de plus à subir, espérant que dimanche prochain, ça sera meilleur. Et cette maman, je peux la remplacer par ce jeune homme qui se bat. Contre la pornographie. Je peux remplacer cette maman par cet étudiant qui vit des temps difficiles à l'école parce que peut-être harcelé. Ou... On peut remplacer cette maman par toutes sortes d'autres cas de figure. Quand cette maman est dans cet état, elle regarde les autres autour d'elle avec un peu d'envie, un peu d'admiration, mais aussi du désespoir. Tous les autres semblent si spirituels est tellement digne de recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que ce matin, il y en a qui peuvent se reconnaître peut-être dans le vécu de cette maman Qui viennent à l'église en faisant le compte de combien leur semaine est déplorable, de combien cette semaine n'a pas été des plus glorieuses. Imaginez maintenant que à côté de cette maman vienne s'asseoir un jeune homme célibataire et en plus, il est amoureux. Il a trouvé euh, son âme sœur. Et il arrive à l'église tout joyeux. Il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que cette maman fatiguée. Il a eu une super semaine, lui. Il a pris du temps avec Dieu. Il a même pu témoigner à un collègue de travail. Et là où la maman ne se sent pas éligible, lui, il se sent éligible. Il est prêt pour le moment de louange. Dieu est certainement prêt à me bénir, pense-t-il. L'éligible et le non-éligible sont assis là, côte à côte, dans la même rangée. Ça pourrait être un mari et son épouse aussi. Le mari a eu une bonne semaine, l'épouse en a eu une mauvaise. Ça pourrait être ce couple qui passe par des moments difficiles où toute la semaine, c'est galère et dispute à la maison. Et puis, il voilà faut aller à l'église le dimanche matin. Et ce n'est pas facile. La dispute a peut-être éclaté juste dans la voiture avant d'arriver. Vous savez, le diable, il aime bien justement choisir ce moment-là, le dimanche matin, juste avant que le cul ne débute. On a là l'éligible et le non éligible. C'est ce qu'ils pensent en tout cas. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et ils vont expérimenter la louange et ils vont écouter la prédication de manière très différente. Du coup. Pourtant, ce que je vais dire là va peut-être vous étonner, mais pourtant. Aucun d'eux ne va l'expérimenter comme Dieu voudrait qu'il l'expérimente, parce que l'un comme l'autre vivent un christianisme dépourvu de grâce, de sa compréhension et de sa puissance. L'un comme l'autre, en fait, sont sous la loi encore. L'un comme l'autre, celui qui se sent mal comme celui qui se sent digne, sont sous la loi parce qu'ils se présentent devant Dieu ou pas en fonction de leurs œuvres, en fonction de leurs efforts, en fonction de leurs réussites ou de leurs échecs. Et quand on se présente comme cela devant Dieu, on est sous la loi. Et lorsqu'on est sous la loi, en réalité, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que lorsqu'on se présente sous la loi, on se présente avec notre propre justice, parfois... La justice de cette maman qui se dit « Non, moi, je ne suis pas digne. » Ou la justice de ce jeune homme qui se dit « Ah, moi, cette semaine, je suis digne. » C'est sa propre justice. Esaïe nous rappelle que notre propre justice ressemble à un vêtement souillé par les menstruations. Le plus juste d'entre nous, en comparaison de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, son vêtement ressemble à un vêtement souillé par le sang des menstruations. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Le seul, le seul qui nous rend éligibles à la bénédiction, frères et sœurs, et on, Pasteur Timothée l'a rappelé, la louange était dans ce sens ce matin, le seul qui nous rend éligibles à la bénédiction, c'est Christ, c'est Jésus. Peut-être que vous vous dites, oui, je comprends pourquoi cette maman a besoin de comprendre l'amour de Dieu et sa grâce. Mais peut-être que vous ne voyez pas où est le problème du jeune homme. J'espère que maintenant vous le saisissez. En fait, sa confiance en lui, moins négative que le désespoir de cette maman. Pourtant, ses bons sentiments, ses bons sentiments du jeune homme peuvent être autant préjudiciables à sa foi que les mauvais de cette maman. Cette assurance et cette confiance en soi, l'éligibilité sont vues par Dieu comme de l'orgueil. Car seule l'œuvre et la vie de Christ nous rendent éligibles à la bénédiction. Seule l'œuvre de Christ à la croix nous permet de nous approcher de Dieu. Ce qui nous permet de venir à Dieu le dimanche matin ou à n'importe quel moment de la semaine, ce n'est pas le fait d'avoir lu notre Bible ou d'avoir été obéissant ou d'avoir fait quelque chose de spirituellement extraordinaire. La seule chose qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est lorsque nous allons nous cacher en Christ. Parce que c'est au travers de Christ seul que Dieu peut nous accueillir dans sa présence. Nul ne vient au Père que par moi. On utilise souvent cette expression pour parler de la conversion, mais ce n'est pas seulement pour la conversion. Bien sûr que c'est au travers de Christ que nous venons à Dieu, mais toute notre vie durant, c'est seulement au travers de Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Merci Pipo. Ces deux attitudes de haut et de bas sont communes en fait dans nos églises. Et il n'est pas inhabituel que les chrétiens aussi entre ces deux extrêmes dimanche après dimanche. Un dimanche, cette maman viendra avec un sentiment d'éligibilité, mais ce jeune homme-là, peut-être que justement, lui, cette semaine-là, sa semaine n'aura pas été si bonne que la semaine d'avant. Et ça aussi, et ça change de semaine en semaine, alors qu'en réalité. Tous nos dimanches devraient être pareils pour ceux qui sont nés nouveaux, pour ceux qui sont en Jésus Christ. Tous nos dimanches devraient être les mêmes. Et quand je dis dimanche, je pourrais élargir ça à tous les jours de notre semaine. Cela n'affecte pas donc seulement nos dimanches, mais bien sûr toute notre vie spirituelle. Cette vision-là de comment j'ai le droit de m'approcher de Dieu, va influencer complètement toute notre vie spirituelle. Et surtout, ça va influencer notre relation avec Dieu. Si je vis en permanence avec cette impression, cette croyance que les humeurs de Dieu envers moi dépendent de ma propre justice, de mes, de mes bonnes ou de mes mauvaises actions, eh bien, ça va être une relation compliquée avec Dieu. Et en fait, il n'y a pas de relation possible au travers de cela, personne ne peut s'approcher du Père si ce n'est au travers de Jésus, au travers de ce que lui a accompli. Je tourne une page de trop. Alors comment corriger cela Ces deux attitudes ne peuvent être corrigées que par une compréhension nouvelle ou une compréhension à nouveau de ce que le Nouveau Testament enseigne par rapport à la grâce. Les problèmes de cette maman et de ce jeune homme ont la même racine, une vie chrétienne dépourvue de grâce, de la grâce de Dieu. J'aimerais lire avec vous Romains chapitre 5 versets 1 à 2. Paul dit ceci, ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Tous les mots ont leur importance dans ces versets. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Nous sommes déclarés justes sur la base de de la foi, la foi en quoi La foi en ce que Jésus a accompli à la croix. On en reparlera à Pâques, mais on va revenir sur ce thème à Pâques justement de, de la croix. Et qu'est-ce qui s'est produit à hein Qu'est-ce que Dieu nous dit à la croix Dieu parle, Dieu crie à la croix. Il y a quelque chose de, il y a un message fort de Dieu à la croix. Mais sur la base de notre foi, sur ce que Dieu a accompli à la croix au travers de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. On parle pas de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qu'on connaît dans Philippiens. Ici, on parle de la paix avec Dieu. Il y a des passages de la Bible, vous le savez, qui disent que je pense le pasteur Timothée la pris tout à l'heure, ennemi de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Mais au travers de ce que Christ a accompli par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et nous. Dieu ne nous regarde plus comme il nous regardait lorsque nous étions encore dans nos péchés. Maintenant, le Père a un regard favorable sur nous. Nous sommes ses enfants. Il nous aime et nous veut avec lui. Et chaque fois qu'il nous regarde, je vous rassure, il ne vous regarde pas au travers de vos œuvres, au travers de votre propre justice. Ça, c'est une catastrophe pour nous. Il nous regarde au travers de Christ et de sa justice. Nous pouvons être en paix avec Dieu. Nous, nous avons la paix avec lui. Non parce que nous sommes meilleurs que, que, que ceux qui, qui sont là sur le trottoir et qui traversent. Nous sommes en paix avec lui parce que nous avons mis notre foi en Christ. À la croix, il y a eu une substitution. Il a pris nos fautes et il nous a donné sa justice. Ma justice ne vaut rien. Un vêtement souillé. La justice de Christ, la robe de Christ, celle que, que, que nous avons revêtue, qui nous a offerte lorsque nous, nous avons mis notre foi en lui, lorsque nous lui avons donné notre vie, c'est une robe immaculée. J'ai envie de dire que rien ne peut venir souiller. Rien ne peut venir souiller cette justice de Christ. Et le Père te regarde sans cesse au travers de cette justice. Nous avons la paix avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez dire cela. J'ai la paix avec Dieu. Je suis dans Jésus-Christ, j'ai la paix avec Dieu. Je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas euh, fait euh, allégeance à Jésus. Je ne m'adresse pas ici à ceux qui sont encore ennemis de Dieu, à ceux qui, 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 qui refusent Jésus. Il y en a peut-être, je ne sais pas, où il y en a qui nous écoutent. Ce n'est pas universel, attention. Je m'adresse à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur dans leur vie qui sont devenus ou qui sont en, en chemin, qui veulent des disciples de Jésus. Je m'adresse à ces gens-là. Tu es en paix avec Dieu. Il n'y a plus d'inimitié entre lui et toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y a la paix avec Dieu. Tu es en paix avec lui. Quand tu t'approches de lui dans ton culte personnel, tu n'as plus à te torturer dans tous les sens. Tu peux dire, Père, je m'approche de toi en Jésus-Christ. Je sais que je suis en paix avec toi. Non pas parce que je suis un être extraordinaire, je suis un pécheur, mais parce que je suis caché en Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça le plan de salut que le Père a mis en place au travers de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire toujours de Jésus-Christ que nous avons accès par la foi à cette grâce. Dieu t'a gracié. Dieu t'a gracié tes péchés passés. Dieu t'a gracié tes péchés présents. Et Dieu t'a gracié tes péchés à venir. Lorsque Christ a pris sur lui à la croix la colère de Dieu qui était le fruit de ton péché. Jésus n'a pas pris seulement sur lui la colère de Dieu sur tes péchés passés en disant, maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui et de demain, débrouille-toi. Non. Dans son omniscience, Dieu connaissait tout de ta vie, Arthur. Tout. Et lorsqu'il dit, que tout est accompli, tout est accompli. Il a tout payé, il a tout payé. Waouh! Nous avons accès par Jésus, à cette, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et la vie du chrétien, c'est de rester dans cette grâce c'est de tenir ferme dans cette grâce. Parce que nous avons une tendance innée, lisez l'épître de Paul aux Galates, nous avons une tendance en nous-mêmes à toujours nous remettre sous la loi. Nous, il y a une tendance à nous à toujours essayer de quitter ce terrain de la grâce pour revenir avec nos mérites devant Dieu. Mais chaque fois que nous, tirons, nous quittons le terrain de, de la grâce pour nous remettre sous la loi, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que lorsque je ne suis plus en Christ, que je me mets sous la loi, c'est fini. Il y, y a un souci. Le chrétien doit apprendre à tenir ferme dans la grâce. À tenir ferme dans la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la méthode couée par rapport à nos fautes, à nos péchés. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Allons vers lui, repentons-nous, confessons nos fautes, disons-lui nos, nos choses. Mais. Ne restons pas sous cette condamnation. Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous tenons ferme dans cette foi et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est une expression que je ne comprenais pas pendant longtemps, mais en réalité, ce que cette expression veut dire, c'est que notre espérance, c'est qu'un jour, un jour, nous connaîtrons nous aussi la glorification. Un jour, nous serons transformés. Un jour, enfin, nous serons libérés complètement de cette nature pécheresse. Et nous connaîtrons cette glorification. Nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Et nous mettons notre fierté là-dedans. Nous attendons, nous avons cette espérance qu'un jour, enfin, wow, nous serons libérés de ce péché qui parfois domine encore si fort et si facilement nos vies. Sans une compréhension de la grâce, sans tenir ferme dans cette grâce, le chrétien ne peut pas grandir, il ne peut pas mûrir, il ne peut pas être en bonne santé spirituelle et entretenir une relation positive et constructive avec son Dieu. Il sera en train de faire le yo-yo sans arrêt et, et finalement il passe à côté du cadeau extraordinaire que Dieu le Père nous a fait. Au travers de Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est là que la foi intervient. C'est là que nous devons mettre notre foi en action. Lorsque j'ai péché, lorsque je me rends compte que ma semaine a été mauvaise, en quoi est-ce que je vais croire est-ce que je me remets sous la loi et j'essaye de justifier, de débattre avec Dieu, d'essayer, de, comme ce psychologue le disait, d'essayer d'influencer de, Dieu pour qu'il ait pitié de moi pour que... Ou est-ce que je mets ma foi en action et je dis, non, c'est vrai, j'ai péché, mais je suis caché en Christ. Je mets ma foi en ce que Christ a accompli pour moi. C'est ça avoir la foi. C'est ça être chrétien, c'est marcher dans la grâce, c'est tenir ferme dans cette grâce de Dieu. Ce n'est pas une invitation à vivre dans le péché, ce n'est pas une invitation à pécher encore plus, hein, comme on peut le lire dans Romains, les accusateurs de Paul disaient ces choses-là. Non, ce n'est pas du tout cela. Mais à partir du moment où j'entre dans cette compréhension de, que, que je suis revêtu de la, la robe de justice immaculée de Jésus, j'ai envie de la tenir propre. Et s'il m'arrive de, de tomber, de chuter, eh bien, je viens à la croix où je sais que ce péché-là a déjà été porté par Christ. Et je viens à Jésus et je lui dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je me relève en mettant ma foi dans ce que tu as accompli pour moi il y a 2000 ans sur 7. Nous avons besoin d'en savoir plus sur la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'expérimenter s'il nous arrive de nous sentir découragés ou disqualifiés pour la bénédiction. Nous avons besoin d'en savoir plus et de la découvrir si nous sommes fiers et confiants de nos propres efforts. Nous avons besoin de comprendre la grâce si nous sommes fatigués d'une vie chrétienne de haut et de bas. Nous avons besoin de cette grâce si nous sommes mal à l'aise devant Dieu ou devant les autres. Si nous sommes prisonniers du regard des autres, nous avons besoin de redécouvrir la grâce de Dieu et voir comment Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Nous avons besoin de cette grâce si nous sommes effrayés et insécurs devant Dieu, parce que nous sommes appelés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et enfin, nous sommes encouragés à redécouvrir cette grâce de Dieu si nous sommes sans force pour combattre le péché. Parce que si tu veux combattre le péché par tes propres forces, en te remettant sous la loi, tu seras vaincu. Le seul qui a vaincu le péché, c'est qui C'est Christ. Tu ne peux vaincre le péché dans ta vie que lorsque tu restes en Christ. C'est lui qui vainc le péché pour toi. Une plus grande compréhension de la grâce de Dieu nous donnera la clé de la victoire dans chacun de ces domaines de combat. Pour cela, il nous faudra revenir aux enseignements du Nouveau Testament et redécouvrir ce que ses auteurs disaient de la grâce de Dieu. Que sais-tu de la grâce de Dieu demandait le prédicateur Charles Spurgeon dans un sermon à ses auditeurs. Il disait OK, tu viens adorer chaque dimanche, mais ça veut rien dire. Que sais-tu de la grâce de Dieu Oui, c'est vrai, tu es un homme respectable, fidèle, honnête. Je suis heureux de l'apprendre, mais que connais-tu de la grâce de Dieu, disait-il à ses auditeurs Que connaissons-nous de la grâce de Dieu La prochaine fois, nous répondrons à la question Qu'est-ce que la grâce Je vous laisse volontairement dans le vent, entre guillemets, en n'allant pas plus loin ce matin, mais je prie que le Saint-Esprit vous interpelle et vous amène à vous poser les bonnes questions. Tenez ferme dans la grâce. Nous allons prier ensemble.